Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du site mesampoulesgratuites.fr. Puis tant qu'à faire, je vais aussi vous parler des ampoules gratuites. Un colis ? Ah merde, t'as déjà fait ton intro ? Bah oui, mais j'ai besoin de rien. J'ai juste avoir besoin d'un MacBook. Vous le savez tous, on a tous plus ou moins le droit à avoir des ampoules LED gratuites. C'est financé par l'État, j'allais dire payé en même temps, mais... financer, payer, c'est la même chose. Et il y a deux offres, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux offres sur le site mesampoulesgratuites.fr. Je vais vous les montrer, fissa. Alors nous voici sur le site, je vais fermer ça parce que c'est une notification. Nous voici donc sur le site mesampoulesgratuites.fr. Alors, voici donc la page d'accueil du site internet. Il y a un petit peu de publicité pour le site, ils disent qu'ils sont passés à la télé. Et ils vous expliquent comment recevoir vos ampoules gratuites pour vous. Donc il vous explique qu'il y a un ménage sur trois qui peut recevoir un pack d'ampoules gratuit. Et c'est avec la loi de transition énergétique et il y a une subvention qui se fait en fonction de vos revenus. Donc c'est pour ça que pour avoir vos ampoules, vous aurez besoin de votre relevé d'imposition, me semble-t-il 2016. Mais c'est expliqué sur le site, hein. Si vous allez dessus, c'est expliqué. Et vous voyez ici qu'il y a deux offres. Vous pouvez avoir soit un lot de 5 ampoules LED entièrement gratuitement, soit, comme indiqué plus haut, un lot de 25 ampoules LED, mais je vous l'avais montré plus haut, 25 ampoules LED à 1 seul euro symbolique. Tout simplement parce que c'est simple, hein. Allez à Leroy Merlin et achetez 25 ampoules LED. Prenez le ticket de caisse et amenez-le moi, hein, ça vaut une fortune. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir ces ampoules ? C'est tout simple, il suffit de cliquer sur « J'en profite », c'est pas une publicité, c'est vraiment le bouton pour remplir le formulaire. Dans mon cas, j'ai commandé le pack de 25 à 1 euro, puisque c'est dérisoire, 1 euro pour 25 ampoules LED. Vous cliquez sur « J'en profite », vous attendez que ça charge, sauf si vous habitez en ville. Et là, vous voyez, il vous explique comment ça marche. Il faut donc indiquer le nombre, voilà, hein, grâce à votre avis d'imposition, patati patata. Donc là, il vous dit que c'est 100% sécurisé, voilà, etc. Il vous explique comment ça fonctionne. Vous faites merci, j'ai compris. Il faut indiquer donc le nombre d'avis d'imposition dans le logement, donc dans votre maison, dans votre appartement. Si vous-même, vous payez des impôts et votre femme aussi, dans ce cas-là, il faudra mettre deux, parce qu'il faudra également mettre l'avis d'imposition de votre femme ou de votre mari, si vous êtes une femme. Et là, il vous dit donc, avis numéro 1, numéro fiscal. Le numéro fiscal, c'est indiqué ici, vous voyez. Vous avez votre avis d'imposition, et c'est dans vos références, et pour accéder à votre espace particulier, numéro fiscal, et vous devez mettre tous les chiffres, sauf la lettre au bout. Donc vous tapez ça, alors ça c'est un faux numéro, hein. Vous tapez le vôtre, qui est similaire, mais c'est pas le même. Et ensuite, vous mettez la référence de l'avis. Donc là, il faut tout mettre avec les lettres. La référence de l'avis, c'est juste en dessous. Et vous indiquez votre numéro juste ici. Il vous explique qu'il faut utiliser votre dernier avis d'imposition de 2016. Donc c'est un avis d'impôt 2016 sur les revenus de 2015. Trompez-vous pas. Parce qu'il y a pas mal de confusion avec ça aussi, c'est un peu compliqué. Et ils vous disent de ne pas utiliser l'avis d'imposition antérieure, les tiers et taxes d'habitation, taxes foncières, parce que ça, foncièrement, ils s'en foutent. Donc vous remplissez tout ça et vous faites calculer ma subvention. De là, je vous dis la suite parce que là, je vais pas le faire. Il va tout simplement en fait calculer vos droits aux ampoules. Si vous avez le droit à avoir soit les 5 ampoules LED totalement gratuites, soit les 25 ampoules LED à 1 euro. Et ensuite, vous commandez vos ampoules, donc vous faites votre pack. S'il y en a 5, vous pouvez sélectionner parmi une sélection d'ampoules ce que vous voulez. Des E27, des B22, des E14, des GU10. Il faut savoir que tout est à LED, absolument tout. C'est juste le design hein, qui est un peu bulle comme ça. Et donc moi ce que j'ai fait, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai reçu une grosse boîte, ça arrive par Colissimo. C'est gratuit, la livraison est gratuite. Vous payez 1 euro pour 25 ampoules LED. Mais la livraison est comprise dedans et c'est gratuit. Et pour les 5 ampoules, c'est pareil, vous ne payez strictement rien et là, vous êtes des chanceux. Alors, en dessous, vous pouvez constater aussi que c'est marqué livraison directement chez moi en Colissimo sous 12 semaines. C'est plus court. Voilà, je vous le dis, c'est moi, on l'a eu en 3 semaines, je crois. En 2 semaines, à peine 2-3 semaines. Mais ça peut aller jusqu'à 12 semaines. Donc, méfiez-vous, hein, ça peut être long. Alors, donc, une fois que vous recevez vos ampoules, à quoi ça ressemble ? Voilà, je suis là, je suis un peu, je suis peut-être hors champ là.
Donc c'est une grosse boîte Colissimo. Il y en a 25 à l'intérieur, je les ai toutes comptées. Et donc dans mon cas, j'ai fait un pack de 20 en E27 et 5 en, je sais plus la référence, en B22, c'est marqué dessus en plus. Et donc ça vient en fait dans un Colissimo, je vais pas trop l'incliner parce qu'il y a des boîtes ouvertes. Et vous avez toutes vos ampoules dedans. Alors, au niveau des B22, ça se présente dans ce genre de petite boîte en carton. Je vais poser ça. Donc ça se présente comme ceci, avec donc juste simplement votre boîte avec un visuel de votre ampoule, les catégories de consommation d'énergie, au passage, petite incohérence, pourquoi c'est A+, et pas A++, je vous pose la question. Derrière, vous avez 2-3 petites indications, ne convient pas à un usage en extérieur, respecter les puissances maximales, etc., etc., rien de bien transcendant. Ils vous disent aussi que ça ne peut pas être vendu séparément, ça veut dire que si vous achetez ça, vous ne pouvez pas les revendre sur le bon coin, c'est interdit. Sinon, si vous faites choper par les queues, vous allez en prison. Ici, toutes les caractéristiques, un peu plus détaillées, mais ça reste assez succinct, de votre ampoule. On a donc ici un 9 watts équivalent 60 watts, 806 lumens et 3000 Kelvin pour la température de couleur, c'est un blanc chaud. Toutes les ampoules qu'ils vous vendent sont en blanc chaud. Ça veut dire que c'est un blanc qui fait pas mal aux yeux, qui fait pas bleu en fait. C'est un blanc qui tire un peu plus vers le jaune. Je vais voir d'ailleurs si ça tire pas trop vers le jaune parce qu'il y a des lumières, c'est vraiment dégueulasse, ça tire trop vers le jaune. Donc quelques explications ici. Et il y a une chose qui m'a choqué aussi pour ces ampoules. Regardez, c'est marqué juste là. Vous me direz si vous lisez pareil que moi. Fabriqué en RPC, ça veut dire quoi RPC? Ça veut dire République Populaire de Chine. Donc en gros c'est Made in China ou Made in Fouf, moi je dis Made in Fouf. Vous m'expliquez le... Emmanuel Macron, bonjour, hein. Vous m'expliquez l'intérêt de faire fabriquer les ampoules en Chine alors qu'en France il y a 3 millions de chômeurs qui voudraient bien fabriquer des ampoules françaises en plus. Voilà. Alors... Je peux comprendre hein, qu'il y a une histoire de main-d'œuvre, que ça coûte moins cher, qu'ils ont fait des appels d'offres et qu'ils ont pris le moins cher. Tout à fait, j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'est quand même bien dommage que pour des ampoules gratuites qui sont commandées en masse, hein, qui sont fabriquées en masse, ce soit fait en Chine, alors qu'on aurait pu faire ça en Europe, au moins en Europe. Bien, ben donc ça c'était pour les B22, je vais vous montrer une E27, n'importe laquelle, on s'en fiche, allez, celle qui est ouverte, hop. Donc voici une boîte, on va la tenir à l'endroit sans l'ouvrir parce que sinon ça va tomber par terre et j'aurai tout cassé. Voici donc une boîte de E27, standard, donc à visser. Parce que l'autre c'était une à emboîter et à tourner, vous savez c'est les anciens systèmes. Voilà, donc un petit visuel. Ici encore une fois je m'interroge pourquoi A+, et pas A++. Voilà, là quelques explications, c'est pareil en fait. Hein. Et là les caractéristiques détaillées. On est sur les mêmes caractéristiques, oui exactement, que sur... c'est tous à peu près les mêmes, hein, en fait. Il y a un truc qui est assez important que je voudrais noter, c'est que les lampes qui sont vendues ne contiennent pas de mercure. Et ça, c'est plutôt bien, parce que on pourrait croire que s'ils ont pris l'appel d'offres le moins cher, c'est des lampes avec du mercure, parce que ça coûte pas cher à fabriquer. Mais non, il n'y a quand même pas de mercure dedans, donc ça c'est plutôt bien. Et il y a aussi, vous voyez ici, c'est quand même intéressant de l'avoir marqué, 50 ou 60 Hz. Je ne sais pas si on voit, voilà. 50 ou 60 Hz, ça veut dire que c'est compatible avec le courant français et le courant européen qui doit être en 60 Hz aussi, je crois. Et il y a les dimensions de l'ampoule, voilà. Donc rien de transcendant, hein, vraiment, pour les ampoules. Je vais vous montrer l'ampoule en elle-même. Voilà. Une ampoule tout à fait standard. J'ai les mêmes, la même forme en LED. C'est les deux qui sont là à droite et à gauche qui m'éclairent. Et il y a une marque dessus. La marque, c'est Thomas Watt. Voilà, Thomas Watt, je ne connais absolument pas. Et il y a encore une fois les caractéristiques de la lampe dessus. Alors, consigne de sécurité, c'est pour ça que je la tiens comme ça. Ne jamais tenir la lampe par le verre. Parce que si jamais vous serrez trop et que ça vous éclate dans les mains, vous vous coupez. Voilà. Donc faites gaffe, tenez-la toujours comme ça, par le goulot. Et quand vous la vissez, prenez un torchon, prenez un gant, quelque chose pour quand même éviter de la rayer ou mettre votre trace de doigt dessus si vous êtes un peu précautionneux. Voilà, c'est tout. Et à l'intérieur, je vois au fond, il y a une fiche. Je vais essayer de la voir, mais... Donc dans la boîte, il y a une petite fiche qui vient avec les ampoules. Ils vous disent quelques éco-gestes pour aller plus loin, voilà. Placez vos bureaux, fauteuils, points de travail perpendiculairement aux fenêtres pour améliorer votre confort visuel et bénéficier au mieux des lumières naturelles. C'est-à-dire qu'en gros, votre bureau, il faut le mettre devant une fenêtre ou perpendiculairement, je ne me rappelle plus de ma géométrie non plus, c'est
Perpendiculairement à 90 degrés. À 90 degrés à côté, quoi. Bah, t'es nul en géométrie, bah. Les gens t'aiment pas. J'ai pas été à l'école, je suis désolé. Et ils disent aussi qu'il faut dépoussiérer les ampoules parce qu'elles seront plus lumineuses. Toujours dans le but de faire des économies d'énergie. Donc une petite, une petite fichette qui vient avec. Très sympa, hein, bon. Et quelques conseils utiles, c'est pas mal, mais c'est des trucs un peu lambda. Respectez la puissance maximale indiquée sur votre luminaire. C'est logique, hein. Coupez l'alimentation avant de changer d'ampoule. Ne faites pas comme Claude François, s'il vous plaît. Il y a encore 15 jours, je l'ai vu dans sa baignoire pleine, en train de changer une ampoule. Mais ça va pas la tête, non, tu vois. Vous pouvez me pourrir dans les commentaires si vous souhaitez. Ne convient pas à un usage à l'extérieur et ne convient pas pour un éclairage d'accentuation. Donc je vous dirai rien du tout sur l'accentuation, je ne comprends pas ce que ça signifie. Je me demande si c'est pas pour décorer ou juste pour avoir plus de lumière, je sais pas trop. Donc là je vous dirai rien. Donc profitez-en, hein, des ampoules gratuites, c'est pas tous les jours. C'est en fonction de vos conditions de ressources. Si vous ne vous rappelez plus comment on fait, je vous invite à revenir en arrière dans la vidéo. Je vous montre le site et comment on fait pour recevoir ces ampoules. Et puis c'est tout, voilà, moi je vais vous laisser là, c'était Seb, passez une excellente journée, et puis si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas, les commentaires sont juste en dessous et restent ouverts. Bon dia, le caral. Ça veut dire bonne journée, ou au revoir, les... Caral, c'est du vieux portugais, hein, faut pas... C'est pas... ça veut rien dire. Ça veut dire connard. Et n'oubliez pas, acheter des MacBooks, c'est bien.